Je m'appelle Yerno Libert, j'ai 23 ans et je joue comme back droit, wing back, défenseur central, milieu défensif. Pour l'instant, c'est beaucoup wing back à droite. Ja, dat is een mooi compliment om te krijgen natuurlijk. Dat betekent dat ik toch wel verschillende posities aan kan. Maar ja, dat is natuurlijk ook altijd een beetje een twijfelgeval. Ik denk dat veel spelers dat het beter is dat ze echt op één positie eruit springen en daar het heel goed doen. Langs de andere kant is het als jonge speler altijd wel een voordeel om op verschillende plaatsen te kunnen spelen. En ik denk ook dat dat voor mij altijd een voordeel is geweest, zowel bij OHL als nu bij RWDM. Heeft mij dat toch wel een voordeel gegeven. Vorig jaar heel veel in het middenveld gespeeld. En dit jaar centraal van achter en op de rechtse bak. Dus ja, kan een voordeel zijn. En ik denk dat dit jaar toch wel heeft toch gezorgd dat ik toch een groot aantal wedstrijden heb kunnen spelen. Ben, au début, j'ai fait des matchs qui étaient pas toujours top. J'ai cherché un peu mon niveau, mais je crois les dernières semaines c'était mieux. J'ai retrouvé mon niveau qui était un peu mieux. Ouais, le match de Dane, c'était un peu un match spécial. On a mené quelques fois et après. Ouais, on n'a pas pu gagner ce match à cause des détails. De nouveau, on a encaissé de nouveau des phases arrêtées. Mais personnellement, j'ai fait un bon match, je crois. J'ai beaucoup couru, j'ai fait de bons appels et ouais, j'ai marqué ce but après un très bon assist de Nangis. Ja, het is natuurlijk altijd een mooie verdienste om een andere match te krijgen. Maar ja, het is iets dat voor mij niet super belangrijk is. Ik heb liever dat de ploeg goed draait en dat ik mooi meedraai in die ploeg dan dat ik er zelf bovenuit steek. Dat is ook meer mijn stijl van spelen. Maar ja, af en toe is het natuurlijk is leuk om die verdiensten te krijgen. En ja, het is zoals ik al een paar keer heb gezegd, dat voor mezelf ook dit jaar net iets meer mogen zijn. En dan begrijp ik ook wel dat er soms kritiek komt. Ja, het doet dan deugd dat ik nu de laatste weken toch mijn niveau terug een beetje heb kunnen opkrikken om dan toch een paar mooie dingen te tonen. Oui, je crois, c'est sûr, avec notre supporter, on a vu l'année passée, je me rappelle le match de Liège, je crois qu'on peut perdre ce match si les supporters ne sont pas là, parce que là, ils sont toujours là pour nous, ils nous échauffent pour faire des choses en plus, pour faire des efforts en plus, et je crois que c'est aussi la force de RW. Oui, j'espère pour l'année prochaine qu'ils seront de nouveau là parce que ça nous apporte beaucoup avec leur mentalité dans la tribune et ça peut nous apporter pour faire des choses encore meilleures l'année prochaine. Donc pour l'instant, je suis dans mon troisième année de mon bachelor de communication à l'université de Louvain. Et en fait, cette année, ça se passe très bien. Comme beaucoup de cours sont en ligne maintenant. Ça semble peut-être un peu bizarre, mais pour tous les étudiants, c'est plus difficile comme ils ne peuvent pas aller au cours ou à l'université. Mais pour moi, c'est plus facile comme je ne peux jamais aller. Et maintenant, je peux regarder tous les cours à la maison. Donc, ça me va bien pour l'instant parce que j'ai réussi tous mes examens la première semestre. Et j'avais pris plusieurs cours que normal. Donc en fait, pour l'instant, ça va très bien, mais maintenant je vais voir le deuxième semestre aussi, je dois confirmer. Mais ouais, pour l'instant, ça va très bien, je suis content de faire ça parce que pour moi, c'est très important de faire quelque chose à côté du foot aussi. Et après, j'ai encore un an de master, donc on verra comment ça se va passer après. Pendant les examens en hiver, donc c'était en janvier, j'avais un examen le jour avant le match et donc je suis venu ici, j'étais en short avec mes chaussures de foot et c'était un examen oral et j'avais mis ma chemise blanche juste pour faire cet examen oral et c'était à côté du prési et tout le monde m'a vu et ils m'ont demandé qu'est-ce que tu vas faire toi, t'as une petite chemise là avec tes chaussures de foot et ouais ça c'est parfois c'est un peu difficile comme j'ai pas trop le temps pour faire tout ça et je dois faire des examens au club. Mais ok, c'est une chouette anecdote pour apprendre naturellement. Ouais, donc pour l'instant, j'ai encore une option ici. On va regarder maintenant comment on va le faire. Et
Ben, moi, je veux bien encore travailler ben, dans le foot. Si je peux rester ici, ça sera pas mal parce que c'est une équipe, un club qui veut progresser. Et comme moi aussi, moi, je veux bien progresser, je veux travailler beaucoup. Et je vois que ce club, il veut faire ça aussi, donc on verra bien. Et pour moi personnel, c'est important que je prends un peu de poids encore, un peu de la vitesse. Je travaille sur mes manquements pour l'instant, les incontrats qui sont pas toujours top et tout ça, je dois travailler ça. Et je suis prêt à faire ça. Et à côté de ça, je vais aussi faire mes études d'une manière le meilleure possible. Donc je vais voir comment je peux faire tout ça, mais moi je suis convaincu que je peux faire ça comme j'ai fait les dernières années. Et j'ai toujours eu cette mentalité de faire le mieux dans tout possible. Et aussi pour ça, je veux continuer de faire ça. Et l'année prochaine, comme j'ai dit, j'ai le master que je vais continuer. Et là, ça va être très important pour moi de toujours planifier tout. Et ouais, ça c'est un peu mon projet. C'est pas un grand projet, mais c'est pour moi c'est important de faire ça. Yeah, ik denk dat voor studenten helemaal niet makkelijk is momenteel. Ik denk zowel op universitair niveau als ook in het middelbaar, als de hogeschool, als lagere school, dat het heel moeilijk is. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen zo goed mogelijk blijft volhouden, ook de maatregelen blijft volgen. En niet zoals we de laatste weken zien dat ze allemaal gaan samentroepen. Ik denk dat dat niet de bedoeling kan zijn. Maar ja, het is zoals ik zeg, het is belangrijk om die studies te blijven doen. En ik denk ook dat het voor studenten op dit moment ook misschien wel soms gemakkelijk kan zijn van thuis uit te werken. Je mist natuurlijk wel die sociale contacten, dat maakt het wel wat moeilijker. Maar natuurlijk veel tijd om alles bij te houden. En ik hoop dat het voor iedereen blijft lukken en dat iedereen het goed kan blijven volhouden.